Aloha, Mars. J'espère que vous vous portez bien en ce mois de mars. On est le 7 mars. Je vous prends que maintenant, parce que j'ai été pas mal occupée, comme je vous avais dit, dans la dernière séquence du mois de février. Déjà, on a reçu certaines boxes super tôt, et ça s'enchaîne en fait. Là, comme vous pouvez voir, j'ai tourné la vidéo, ma collection de blushs. C'était une très très longue vidéo, mais qu'est-ce que ça m'a plu. J'adore les blushs. Je crois que j'ai une certaine addiction envers les blushs. Qu'est-ce qu'on va faire en ce mois de mars? Déjà, donc là on est lundi. Oui, on est lundi. Vendredi, de vendredi à dimanche, je pars à Bordeaux voir mon neveu pour la première fois. J'ai trop hâte et je suis très très émue. Et en même temps, je vais voir mon frère. Je suis toujours contente de voir mon frère, je vous ai dit, je crois dans ma vidéo FAQ, que mon frère c'était tout pour moi, on était très, très proches, très liés. Maintenant qu'il habite à Bordeaux et plus à Paris, il me manque terriblement. Oui, parce que j'ai pas de famille à Paris, sniff, j'ai mon chéri, c'est ce qui compte. Vous voyez, par exemple, mon frère ce matin, il m'a envoyé un message en me disant aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'endométrieuse. Et j'ai souffert d'endométrieuse avant d'avoir mon cancer de l'utérus. Et c'est une maladie peu connue, enfin du moins à l'époque, il y a 12 ans, 11 ans, je sais plus, c'était pas... On avait du mal à diagnostiquer une endométrieuse avec adhérence ou pas adhérence, etc. C'est très compliqué. Déjà, les douleurs sont atroces, de chez atroces. Et moi, en plus de ça, je souffrais de ménométrorragie. Bon, désolée, hein, je vous parle de ça, mais j'ai pas de tabou à parler de règles ou de problèmes de santé, etc. Mais la ménométrorragie, c'est-à-dire que le flux est abondant, mais de chez abondant, c'est une hémorragie utérine, si vous voulez. Et c'est tout le temps. C'est-à-dire que je saignais H24 et beaucoup. Donc je prenais un médicament qui s'appelait Lexacil, qui marchait pas vraiment. On cautérisait. J'ai vécu le début de ma vingtaine pas de la meilleure façon, c'est-à-dire que je mettais que des pantalons noirs et j'avais des couches d'incontinence en guise de protection hygiénique. Il fallait enlever toujours les caillots, etc. Des échographies, etc. C'était dur, il y avait tellement de sang et de caillots partout dans l'utérus, plus les adhérences. C'était difficile d'y voir clair. Et après on a vu clair après. Mais on s'en sort, vous inquiétez pas. C'est pas pour vous faire flipper, mais je trouve que c'est important de parler de maladies féminines qui ne sont pas assez connues. Il me semble bien qu'il y a une vaïnée qui souffre d'endométriose. Je suis de tout cœur avec toi. Je sais pas si vous connaissiez cette maladie. En tout cas, maintenant, vous connaissez pas. Un peu. J'ai reçu un colis vainé, mais youtubeuse. C'est pas bien Laurie. Je vous ai déjà parlé de Laurie, qui a une chaîne YouTube. Je vous mets bien sûr sa chaîne en barre d'infos. Donc elle fait des unboxings, des crash tests, elle a fait beaucoup de calendriers de l'avant. Elle a un contenu varié. C'est la douceur même. J'adore sa voix. C'est très apaisant. Je dois comparer avec moi, elle est beaucoup plus tournée vers des cosmétiques bio, des box beauté bio. Il me semble bien qu'elle unbox Belle au Naturel, New Box, Beautiful Box, et bien sûr Glossy Box, Blissim, je crois pas, Prescription Lab, c'est sûr. Elle a toujours un avis très pertinent, mais tout dans la délicatesse. Et je la trouve très belle, à tout point de vue. Et donc, je l'ai connue parce que c'était une vainée. Bon, c'est toujours une vainée. Mais je crois que dans un des commentaires, elle avait glissé, j'en ai parlé en vidéo. Mais elle m'a jamais dit, viens voir ma chaîne, moi aussi j'ai une chaîne. Enfin, à se faire sa pub en commentaire. Et du coup, par curiosité, je suis allée voir, je me suis dit,
Et je l'ai engueulé. Je dis, pourquoi tu m'as pas dit avant que t'avais une chaîne YouTube? Sniff. J'ai remédié à tout ça. J'aimerais bien faire un petit projet avec elle cette année. Je sais pas, peut-être un swap, mais un swap particulier avec un thème. J'avais fait, et c'est très rare, des ventes Vinted. Donc j'avais mis, je crois, 6 ou 7 produits en vente. Et Laurie, et je pense bien que c'est plus pour m'aider. Tout ce que je vends sur Vinted, c'est toujours d'ailleurs en cagnotte Vinted. Et ça m'aide à amortir les frais des box beauté sur la chaîne. Voilà, c'est pas pour me faire plaisir. Enfin, si les box beauté me font plaisir. Voilà, je réfléchis un petit peu à amortir les frais. Je pense que vous me comprenez. Et du coup, elle m'avait acheté des produits. La connaissance était vraiment plus pour participer à la chaîne, parce que je vous ai dit que si vous m'achetiez des produits sur Vinted, vous deveniez actionnaire de la chaîne. Et bah, c'est le cas, en fait, hein, pour moi. Enfin, c'est comme ça que je... Je réfléchis, mais attention, je ne suis pas capitaliste. Mon Dieu. Bref, du coup, dans les colis Vinted, je glisse ben, plus de choses hein, que ben, je peux pas vendre ou que bon, j'ai la flemme de vendre surtout. Et cette coquine m'a envoyé un colis. Donc, elle a gardé l'adresse Vinted. Je ne t'en veux pas d'avoir gardé mon adresse. Et du coup, elle m'a envoyé un colis. Alors, non seulement elle a contribué et elle a acheter des produits, et en plus elle m'envoie un colis. Ça va pas bien dans ta tête, toi. Donc on va découvrir ce qu'elle m'a gentiment envoyé. J'en reste bouche bée. J'espère que cette fois-ci je ne vais pas pleurer. Ça sent trop bon. Mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Ça sent du parfum. On dirait le... Pas le Lancôme, peut-être le Lancôme. Non, attends. Laurie. Ah non, mais si seulement je pouvais vous faire sniffer le colis. Mon Dieu, et regardez comme c'est bien emballé. Je suis gênée. Des cartes postales. Oh, trop bien. Le lac d'Aigbelette, Savoie. Savoie ou quoi? Non, je t'ai obligée de le faire. Non, ça va pas, moi. C'est trop beau. Donc, c'est un lac que je ne connais pas. Oh, il y a un cygne et tout. Oh, c'est trop bien. Promenade le long des rives accueillantes d'un lac préservé au cœur d'un environnement exceptionnel. Vous connaissez la Savoie? Oh, il y en a d'autres. La dent du chat. Waouh, mais c'est trop beau. Non, mais la Savoie, c'est magnifique. Oh non, mais j'adore la France, en fait. Vous voyez la diversité des régions françaises? Et vous vous rappelez dans les vlogs où j'ai voulu mettre en avant des expressions régionales, des langues régionales et tout, parce que j'aime la France. Le lac du Bourget. Mais je connais pas. Mais c'est trop beau. Attendez, désolée pour la ring light. Oh, oh, avec un sticker Savoie. Tu les as trouvés où? Il me les faut pour les concours que j'envoie. Oh, avec... Oh, mais c'est trop mignon. Avec ça, là, la... Comment ça s'appelle? Le trombone personnalisé. Surprise. Oh, c'est trop beau. Coucou, ma Laura. Juste un petit colis. Non, mais petit... Forêté, hein. Je ne sais pas d'où vous venez toutes hein, qui m'envoyez gentiment des colis. Vous dites tout le temps petit colis. Non. Non, non, c'est des gros colis avec beaucoup d'amour. Rempli de petites choses pour voir ton joli sourire. Ce n'est pas grand-chose si... Non, mais arrête, Laurie. D'ailleurs, Laurie, Laura... Ah, ben, notre fête, c'est le 10 août. Voilà, information inutile. Mais c'est fait avec le cœur, je n'en doute pas, Laurie. Merci de me faire rire au quotidien dans tes vidéos. Oui, appelez-moi Bozo le clown. Merci d'être qui tu es, car c'est tellement authentique. Bah, je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Tu es une de mes plus belles rencontres YouTube. Est-ce que j'ai mis un mascara waterproof? Non. Je vais ressembler à un panda. Avec tout mon amour de Vainé, des milliards de bisous, Laurie. T'es une très très belle rencontre, et comme j'ai expliqué notre rencontre, et que je t'avais engueulé en disant pourquoi tu m'as pas dit que t'avais une chaîne YouTube. D'ailleurs, elle a tellement de cœur qu'elle organise très régulièrement des concours alors qu'elle franchit pas forcément des paliers de 100, 200 abonnés. C'est fait spontanément, voilà. Elle gâte sa communauté. Laurie, quoi. J'ai vraiment envie de faire un projet avec elle parce qu'elle se maquille super bien en plus et on a des produits en commun. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Si vous avez des idées voilà, de collaboration vidéo entre elle et moi. Et là, il y a encore... Ah, il y a un menu et tout. Ah, oh, c'est bling bling, hein, j'aime bien. C'est tout doré.
Le premier, c'est la pochette du... la pochette avec tout mon merdier. J'arrive pas à la ranger. Ah ! Le premier, c'est la pochette pour ranger tout mon merdier. Oui, bon, on est deux. Il y a quelque chose pour tes lèvres. Je suis sûre que la couleur te va à ravir. Happiness, Lancôme. Oui, parce que il me semble bien que toutes les deux, on a unboxé le calendrier Saint-Valentin Lancôme. Donc, une très jolie pochette rouge, ma couleur préférée. Enfin, corail, on va dire. Pêche, ouais, mais le rouge. Oh. Non, mais dedans, il y a plein de trucs. Et là, je vois qu'il me faut des ciseaux. J'arrive. Un rouge à lèvres, Yves Rocher. Wow, grand rouge élixir. Oh, c'est une... elle est trop belle la couleur. En fait, c'est un bordeaux, mais qui tire vers le marron en fait. J'étais fâchée avec cette marque. Grâce à Sandy et d'autres colis Vainet, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une marque qui valait le détour. Et juste au bout de la rue, enfin au coin de la rue, là. Genre, franchement, 50 mètres, j'ai un magasin Yves Rocher, j'ai quoi d'autre? J'ai Nocibé, et un petit peu plus loin, à 10 minutes à pied, j'y étais samedi, j'ai Avril Cosmétique et Mademoiselle Bio aussi. Alors, Mademoiselle Bio, je savais même pas qu'ils étaient là, à côté. Oui, j'ai beaucoup de rouge à lèvres, mais je n'ai pas cette teinte. Regardez. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Non, ça je valide, ça j'achète, ça je porte. Bon, attendez, j'ai enlevé tout ce verdier. C'est satisfaisant, non? Mais alors là... Oh! Il est trop fin en plus. C'est des petits cookies. Bonne maman. Non, à l'endroit, c'est mieux. Oh! Pépites de chocolat. Bon, vous savez quoi, là? Hop! Oh! Je pourrais pas vous dire si c'est bon. Parce que j'ai pas de goût. Si vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche là? Je sens le sucré, un mélange de texture entre le fondant du chocolat, je n'arrive pas à distinguer, va bien avec le sablé du cookie en fait. Donc là, j'ai le sucré mais j'ai pas toutes les saveurs, les arômes autour. Parce que je ne mange qu'avec les textures en fait. Je mange plus d'œufs frits quoi, ou des œufs à la coque. Enfin... Niveau texture, c'est pas ça, quoi. Ce que je peux dire, c'est que c'est toujours mieux que les cookies des Vlogmas. Numéro 2. C'est très très bien emballé. Oh, déjà, ça... Qu'est-ce que c'est? Il y a des bubules. Merci. Je vais pouvoir faire mes muses. Nuages de coton. Eau de parfum. Des notes d'iris et de musc végétal. J'adore le musc. Enveloppant la peau d'un nuage ouaté, doux et rassurant. La quiétude d'un réveil tout en douceur dans un cocon moelleux. Eau de parfum. Oh, mais attends, la marque c'est By Sans Bon. Oh, j'aime bien ce jeu de mots. Regardez, est-ce que vous connaissez? Oh, je vais mettre ça. Mon Dieu, je suis en amouration avec cette odeur. Oh là là, que ça sent bon. J'ai mis trop de pchit, hein. Il en faut deux max. Oh, j'adore. Oh mais j'adore. Hashtag j'aime le musc. Ça fait un peu chelou, dit comme ça. Oh, trop bien. En plus, je ne connais pas cette marque. Ça fait du bien, parce qu'avec les box beauté en ce moment, c'est pas trop ça niveau découverte. Ah mais ça sent trop bon. Oh, j'hallucine. Oh, je suis fan. J'ai toujours été nulle en art plastique et en découpage. Hein. Oh non, t'as fait ça? Mon parfum préféré? Enfin, la marque de parfum préféré? Juliet Has a Gun. Oh, je le connais pas celui-là. Moscou Mule. Dites-moi si vous aimez Juliet Has a Gun. Mmh. Ah, ça c'est une odeur très différente de ce que j'ai chez Juliet Has a Gun. Ils disent qu'il y a du gingembre, mais c'est vrai qu'on sent le côté épicé. Mais là, je suis refaite. Là, je sens trop bon. Je suis contente d'avoir retrouvé mon odorat. Oh, un vernis. Oh, trop bien. Oh, néomatique. Reçu dans des box. Et je sais plus lesquels. J'adore. J'ai un bleu. Oh, tiens, je devrais le mettre, là. Printemps, etc. Je n'ai pas du tout cette teinte en vernis. Je sais, il faut que je vous fasse ma collection de vernis. Elle sera aussi longue que la collection de blush. J'adore cette marque de vernis. Parce qu'elle est bio, mais ça tient bien.
J'adore cette teinte qui est un cerise griotte, comme ça qu'on appelle. Vous voyez, ça sent pas fort le vernis. C'est ce que j'aime bien. Et la teinte, ouais, c'est Grace. Oh, trop bien. Alors là, c'est pas un rouge pétant qui serait difficile à porter. Ça c'est magnifique. Et en plus, oh, ça va avec le rouge à lèvres. Toi aussi, t'aimes bien les raccords, hein. Avoue-le. Non mais je suis stupide en fait. Ça c'était dans le 1, le 2, le 3. Donc le 2, c'est pour t'aider à faire dodo. Ah mais c'est pas un parfum de corps, c'est parfum d'oreiller. 3, il me semble que c'est un de tes parfums préférés. C'était celui-là. J'avais rien compris au menu, je suis désolée. Hein. Et 4, c'est parce que tu en mets. Ouais, je mets du vernis. Ouais, je suis comme ça, je suis une rebelle du vernis. C'est mes bonbons préférés, c'est les Dragibus. Donc, quelle est votre couleur de Dragibus préférée? Alors, à savoir que moi, j'ai jamais réussi à distinguer le vert du rouge, du noir en termes de goût. Mais c'est les petits en plus. Oh, non, mais ça, j'ai plié le paquet en 2-2. Hein. J'adore les Dragibus. Quels sont vos bonbons préférés de chez Préféré? J'aime bien aussi, vous savez, les langues qui piquent là. Rouge, vert, orange là. J'aime bien les trucs qui piquent, ouais. C'est un zip refermable. Ça, c'est pratique. Enfin, je suis pas sûre de le refermer tellement je vais en bouffer. Oh, merci. Là, je me retiens de pas en manger. Mais à la fois, j'ai encore le cookie dans la bouche. Oh, non, Neubuck. Pour toutes tes superbes idées. Regardez-moi ce carnet. Avec des cœurs et tout. Oh, et un stylo. Ah, mais celui-là, il est trop beau. Oh, j'adore. Et oui, j'ai tout le temps des idées YouTube, même si bon, mes idées se retrouvent ailleurs. Je suis inspirante, vous me direz. Oh, j'adore les... C'est pas des carreaux en fait, ce sont des lignes comme ça. Je vous avais expliqué, je crois, dans la vidéo My Little Box de février que j'ai publiée en mars, bien sûr. Bah, tu sais quoi, ma première idée, ça sera un contenu avec toi. Ma belle, on va réfléchir à comment on va se bidouiller ça. Et je suis sûre que les Vainées seront très contentes de te voir par ici sur la chaîne. Moi, je serais très honorée de me retrouver sur ta chaîne, hein, je te le dis. Je suis super touchée. Et donc, oui, j'ai plein d'idées. D'ailleurs, j'ai un nouveau concept sur la chaîne, je vous en parle juste après. Je sens trop bon, là. Et après, tu l'as voulu, tu en as parlé dans une vidéo, va falloir prendre des ciseaux. Urgent, désolée si elle n'est pas super propre, mais je suis trop maladroite. Tu veux en parler de la maladresse? Parce que là, on peut me décerner la palme. À ouvrir en dernier. Bah, tu vois, j'ai pas vu, mais j'ai deviné. Super bien emballé les papiers cadeaux. Tu me donneras des astuces pour Noël prochain. Tu l'as voulu, tu en parlais dans une vidéo. Je sais pas. C'est super bien emballé. T'as pas fait ça. Mais j'ai essayé de mettre la main dessus. Des jours et des jours. Impossible. Donc c'est Autrera Beauty, la marque de Sana, Sananas, qui a mis la clé sous la porte pour diverses raisons. Mais c'est la palette. Mais... bon, je suis tremblante. Oh là, non mais... Ce qui me tarde de voir, c'est ce vert qui m'intriguait beaucoup. Oh là là, oui, c'est bien le vert magnifique. Il y a un vert kaki. Vous savez que dès qu'il y a un vert kaki dans une palette, je suis aux anges. Et vous allez me dire, mais tu mets jamais de vert kaki. Je devrais. Ça va pas bien avec mes yeux, en fait. Regardez. Non mais je vous fais un look pendant le vlog avec cette palette, c'est sûr et certain. Mais t'as fait des folies, mais j'espère que t'en as acheté deux, que tu t'en es gardé une ou que... Parce que oui, je voulais cette palette parce qu'elle m'inspire beaucoup. Notamment ce brique, vous savez que ce sont mes teintes préférées pour mes yeux. Je trouve que ça, c'est un joli make-up. Il y a un beige parfait. Vous savez que je galère pour trouver des beiges pour unifier la paupière ou sous l'arcade. Et le vert et le noir qui est lumineux, je pense, je ne sais pas. Mais le kaki là, mais il faut que je vous fasse un look avec le kaki. Voilà, moi j'ai déjà un look, le kaki qui est là, avec le doré qui est là, et le marron.
ou le noir. C'est très rare quand j'ouvre une paillette, je me dis cache pistache, je sais le look que je vais faire d'emblée. Et là j'ai l'inspiration en fait. J'arrive pas à parler. Je reste sans voix parce que ouais, il me tarde de mettre mes pinceaux dedans et crois-moi que ça sera chaque look que je ferai pour être à corps ou autre, je penserai à toi et je te dédicacerai à chaque fois les make-up. Je m'attendais à rien de tout ça dans tous les cas, mais Laurie, merci. Et je crois que merci, c'est pas assez fort, tout comme tous les colis que l'on m'a envoyés. Je l'ai déjà dit, mais il faudrait que j'invente un mot qui soit plus fort que merci, en fait. Je suis sur les fesses. En l'occurrence, je suis sur mes fesses, là. Comme vous me connaissez bien ou que vous prêtez attention à des petites choses que je peux dire par-ci, par-là. Souvent, je dis information inutile, mais visiblement, c'est pas inutile du tout. Laurie, il est temps qu'on fasse un partenariat, un contenu ensemble. Ça va être fun, très fun. Et en parlant de contenu, etc., il y a une veinée qui s'appelle Sunita qui avait fait une apparition en fait en vidéo. Vous savez, la vidéo les veinées vous souhaitent bonne année. Et je crois que c'était le dernier plan, le dernier rush, comme on dit dans le milieu. On était sur Instagram jusqu'à 1h, 2h du matin. Et en fait, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, bah vas-y, montre-moi ta collection de palettes. Oh là là, je pensais pas qu'elle en avait autant. Mais j'en ai pris plein les yeux. Et en fait, elle a sorti une palette que j'ai, mais que j'ai jamais testée. Et qui est également dans votre colis concours, enfin dans le carton concours que je vous ai acheté. Et j'y ai dit, ah mais ça serait rigolo que j'essaie de reproduire un de tes make-up. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, ça peut être un concept, un make-up une veinée, quelque chose comme ça. Si ça ne te dérange pas de passer de nouveau en vidéo sur la chaîne, explique le challenge que tu me donnes, crée un look, fais des photos de près des différents angles et sans me dire quelle teinte elle a utilisée de cette palette, je dois essayer de me rapprocher un maximum de son make-up. Donc elle m'a envoyé tout ça, faut que je tourne la vidéo maintenant. Et du coup, la prochaine c'est Emily. Donc d'abord je dois faire Sunita, après il y a Emily et après je ne sais pas comment je vais me bidouiller. Alors si vous avez envie de participer à ce challenge, ça me remplirait de joie, bien sûr. Le mieux c'est que vous m'envoyez une photo ou des vidéos de votre collection de palettes et voir si on en a en commun. Parce que si moi je vous envoie la collection de palettes que j'ai, mon dieu. Si Laurie, tu as la même palette, on se fait ce challenge là. Je reproduis ton look. Donc voilà le nouveau concept sur la chaîne. Comme ça me permet de vous mettre en avant parce que vous savez que sans vous, il n'y aurait pas à Laura Borin. Et j'essaie toujours de vous mettre en avant. Comme pour le premier de l'an. Donc je suis venue avec cette idée-là. Parce que, un, ça vous met en avant. Et de deux, c'est fun. C'est mettre en avant des personnes très créatives au niveau make-up. Alors, il n'y a pas d'obligation. J'espère que ce nouveau concept où je réalise vos looks, vos make-up, vous plaira. Je vais essayer d'aller remplir tout ça. Merci encore à Laurie. Merci à vous toutes. Je vous fais de gros, mais alors de gros, gros bisous. A plus dans le bus. Aloha. C'est le printemps. Je suis en joie. Total, shake-on la noix de coco. Alors, il n'y a plus d'eau dans la noix de coco parce que bon, elle ne doit plus être très très fraîche. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, je réponds à Claudine qui m'avait dit « Mais tu comptes la manger, etc. » Non, ça c'est une noix de coco déco, j'avoue. Mea culpa. Vous me pardonnez. Il m'est arrivé une tuile sur le tournage de la vidéo Soju. Je ne sais pas par quel hasard, la fin de la vidéo a disparu de mon disque dur, de mon PC, de la carte mémoire, vous savez, carte SD. C'est pas grave, j'ai retourné la vidéo et du coup je me suis dit autant faire un autre look, celui-ci. Make-up, no make-up, à la fois on est dimanche, je vous dirais.
En général, quand je travaille pas, je ne maquille pas du tout le dimanche. Donc là, j'avais envie de faire quelque chose de léger, comme vous voyez. Quand je veux faire ce look-là, très simple, rapide, je vais vous montrer comment je procède, enfin, ce que j'utilise plutôt. Pour le teint, j'ai mis la BB Crème en teinte dorée de chez Herborian. Bronzer, j'ai mis le Révolution un peu marbré, mon préféré. Blush, le Benefit Girlfonia. Highlighter, c'est ce qu'on va voir. Je vous ai déjà parlé de cette palette avec une de mes youtubeuses préférées anglaises. C'est une palette teint de chez Révolution. Je sais pas si elle est encore en vente. Bref, je vous en ai déjà parlé, il me semble, mais ça fait des années que je l'ai. Voilà comment elle se présente. En fait, c'est pour du contouring. Un côté bronzer et un côté highlight. Mon highlighter préféré, c'est celui-ci là, doré. C'est celui que je porte là. Il se fond à la peau. Il marque pas mes pores et mes irrégularités, vous savez. Il est impactant, mais ce qu'il faut. J'aime pas non plus trop les highlighters in your face, hein, mais ça, vous le savez. Ça, c'est vraiment pour du contouring. Je fais pas vraiment du contouring, à part contouring du nez, comme vous savez. Le reste ici, non, je fais pas. Le front, même si j'ai un grand front, non, je fais pas. Taratata. Et du coup, pour les yeux, j'utilise ça. Tout simplement. J'ai tout en fait. J'ai un beige, transition et fard d'intensité ici. Et je me rapproche. Et en lumineux, celui-ci, paupière mobile. Et en coin interne, celui-ci. Ça m'arrive même d'aller au boulot en ayant utilisé cette palette, pour être honnête. Et vous allez vous dire, mais Laura, t'as presque une centaine de palettes. Oui, oui, mais l'effet est là. Comment vous dire ? J'adore ce look, mais ce look-là, avec ça, c'est ce que je préfère finalement. Et franchement, ce mascara, un énorme coup de cœur. Je l'adore. Je trouve qu'il fait volume, courbure, il allonge. J'adore la brosse. Il bousille pas mes cils. Il est facile à démaquiller pour un waterproof. Et je vous remonte la brosse. Oh, j'adore. Ça va être difficile de me faire des rotations mascara après cette découverte, je vous le dis. Mais je vais me forcer. Hein. Et ce rouge à lèvres, une merveille. Par contre, je dois dire qu'il est pas si mat que ça en fait. Alors, en vidéo, je vous ai dit mat parce qu'il y a écrit mat. Je sais pas si. Focus, bonjour. Et oh, l'appareil photo là. Là, vous voyez ? Mat, soft mat. Et j'ai testé enfin ce crayon que j'avais reçu en mars. Dans la My Little Box de février. C'est un marron cuivré. Je l'ai mis en ras de cils. Je ne mets absolument jamais de fard pailleté cuivré métallisé en ras de cils, et ben finalement je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, et donc c'est assez discret et ça se prête bien avec ce make-up, donc belle découverte. Je le testerai bien en liner en fait, sur la paupière, mais pas comme fard à paupière, je pense qu'il sera pas stable. Voilà mon look nude et j'en suis très contente. Et finalement je me suis dit, bon bah c'est bien parce que vu que je dois faire quelques incrustations pour la vidéo retour sur les box et que je dois me démaquiller avec l'eau micellaire reçue dans la goodie box, je sais plus le nom comme ça de tête, bah voilà, hein, comme ça on se démaquillera tout ça. Maintenant je vais unboxer quelque chose nommé Marilyn. Vous savez, Marilyn, cette vainée qui vous a fait plaisir le mois dernier, et ben, elle m'a envoyé un colis via Mondial Relais. Elle m'offre toujours tout plein de cadeaux. Je suis en gênance, puissance gênance. Ça se dit, ça. Donc j'ai ouvert. Il s'agit d'une box sur laquelle je travaille. Parce que, vous savez, je vous ai fait une première partie. Quelle box beauté choisir en 2022. Et je vous ai dit, je travaille sur d'autres box, pas forcément beauté. Elle est abonnée à une box gustative, gourmande, on va dire. Et je lui ai demandé tout plein d'informations pour compléter mes recherches et pouvoir vous parler de cette box. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que quand je suis partie à Bordeaux, je suis passée par Tours. Je l'ai dit à mon chéri, j'ai pas mal de veinées qui habitent à Tours. Il y a Beverly, il y a Alexia, il y a Marilyn, peut-être certaines d'entre vous encore. Je suis pas sûre. Là, de tête, veuillez m'excuser. J'arrive pas à retenir tout. Même si vous avez été super sous ma vidéo, ma petite box surprise, à me dire dans quel département et quelle région. Et vous m'avez fait vraiment voyager. Et c'est là où je me dis, pourquoi aller à Bali ou autre destination de rêve quand on peut voyager en France et découvrir de belles régions. La T-Box.
Oh, elle est magnifique. Cette box est magnifique. Elle me faisait tellement de l'œil. Et elle m'a donné tout plein d'infos pour la prochaine vidéo sur les box. Merci. Mais merci. Ça me rappelle ma FAQ où j'ai dû dire merci dans je sais pas combien de langues. Pour être irremplaçable, il faut être différente. Coco Chanel. Je le vois bien dans le décor, là. Parce que... J'aime bien. Le 10 mars. Ma très chère Laura. Ma très chère Laura. J'ai l'impression d'être une madame. Je me suis dit que ce doublon serait mieux chez toi afin que tu puisses tester cette box. Oui, je vais la tester, comme ça je pourrai encore mieux en parler en vidéo. Comme ça, ça sera plus facile pour toi d'en parler dans ta prochaine vidéo autre box. C'est excellent. Perso, je ne suis pas déçue du tout de ce que j'ai reçu depuis janvier dans cette box. Oui, c'est vrai, tu m'as dit que zéro flop. Des bisous au thé. Et parle à mon petit côté British avec le thé. It's tea time. Enfin, c'est pas un cliché, on boit beaucoup de thé. Alors, je suis très Earl Grey. Je suis British jusqu'au bout du bout. Est-ce que vous connaissez la tea box? Et si oui, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos retours, comme ça je peux regrouper toutes les infos. Je suis trop fan, on dirait un livre. Ça me fait penser à la box Prescription Lab de septembre dernier. Si c'est le cas, waouh, je me décerne la palme de la mémoire. Ça va pas, moi. Là aussi, je vois bien dans le décor. Aux abords du Machu Picchu, les vestiges d'un empire autrefois resplendissant. Plus bas dans la ville, les rues sont colorées, foisonnantes de détails, de souvenirs. Dans leur tenue traditionnelle, hommes et femmes déambulent au son de la flûte de Pan. Dans la tasse, les thés sont fruités, gourmands, exotiques. Pitahaya, connais pas. Fruit de la passion, papaye. Fruit de la passion. Un régal pour les papilles, je n'en doute pas. De la cité Inca au lac Titicaca, en passant par la montagne aux 7 couleurs. Ah, je sais qu'il y a une colline aux je sais pas combien de couleurs à l'île Maurice. L'agent de voyage sort de ce corps. Je vous jure. Je peux pas m'en empêcher. Quand on parle de voyage, la T-Box vous embarque au Pérou pour un voyage haut en couleurs. Juste pour revenir sur agent de voyage qui est... mon métier de base, agent d'escale, c'est venu après. Tellement conseillé des voyages autour du monde, dans des très belles destinations, ou peut-être plus atypiques, ou communes. La façon dont on décrit toujours, je sais pas, les croisières, les randonnées, les treks, les séjours, tout simplement, on les décrit tellement bien aux clients qui pensent qu'on y a été. Et même moi, parfois, je me dis, on dirait que j'y ai été. Mais dans ma tête, voilà, je sais qu'il y a une super croisière, Dubrovnik, Split, etc., avec des sortes de calanques. Information inutile, hein. Bon, on la découvre, cette box. Je suis super excitée. Mon Dieu. Mais c'est quoi cette box de dingue? Waouh, regardez ça. Déjà, les compartiments et tout, c'est réutilisable. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je reçois énormément de cartons avec les box et je suis désespérée. Je me dis, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon du tout. Et je culpabilise à chaque fois que je vais descendre les cartons. Ouais, bref, passons. Magnifique. Mais attendez, il y a combien de produits à l'intérieur? Des cartes. Oh, 2022, parfait, coloré. Oh là là, excusez-moi, hein, je suis très expressive. On parle bien des cartes, pas d'autre chose. Non mais Laura, faut pas filmer les dimanches. Pardon. Il y a celle-ci. Donc ça doit être le lac Titicaca. Ouais, j'ai gagné. Et ici, c'est une illustration d'Oran Siegel. Magnifique. Ici, on a... Ah oui, le cahier des saveurs. C'est ça. En fait, c'est un descriptif plus que complet. Je crois qu'il y a même des recettes. Je sais plus ce que j'avais marqué dans mon script. Mais en tout cas, le voici, le voilà. Il se présente comme ceci, très coloré, tout ce que j'aime. Donc, visiblement, c'est la box de janvier, puisqu'il nous souhaite une bonne année. Bah écoutez, oui, on peut se souhaiter une bonne année, même en mars, je vous dirais. On a un descriptif des thés. Oh, que c'est bien fait. Ça, c'est important. La température du thé, combien de temps on doit le laisser infuser. Si vous vous rappelez bien, j'ai fait une formation de barista pour faire, vous savez, les super dessins dans la mousse de lait, mais je travaille pas dans la restauration pour pas chercher. Ça, c'est du Laura. Dans cette formation, il y avait un
une toute petite partie sur le thé. Et on nous expliquait que selon un thé vert, un thé noir, un thé blanc aussi, fallait pas faire cramer les feuilles de thé parce que sinon c'était ruiné quoi. Surtout le thé blanc, alors il me semble que le thé blanc, faut d'abord le faire infuser dans de l'eau froide et après dans de l'eau chaude mais pas bouillante. Ça remonte à 2010, 12 ans déjà. Vous voyez la petite note là, je trouve ça tellement bien. Spicy pear, pomegranate, hibiscus, grenade, hibiscus. Lama et concho, ah, ils rentrent vraiment dans le thème quoi. Ah, on a aussi des gourmandises, c'est vrai. Des chocolats, fallait pas me dire ça. Ce mois-ci, c'est Suspiro Limonio. Vous appréciez mon accent espagnol. Ça a l'air très bon, comme ça. Alors encore une fois, ne me demandez pas de le reproduire. Alors, ici, j'attrape du thé en vrac, thé des Mayas, thé vert de Chine, écorce de cacao, zeste d'orange. J'adore orange cacao. 2-3 minutes, 75 degrés. Et à boire en journée, peut-être par rapport à la théine, je ne sais pas. Donc ça doit être de la marque Tea Tower. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, d'accord, ils ont leur propre marque de thé. Et après, on a un panel d'autres... producteur de thé ou distributeur de thé, je dirais. Ce qui est bien, c'est que je vais enfin pouvoir utiliser le truc là qu'on a reçu dans le calendrier de l'Avent, My Little Box, vous savez, en forme de cœur pour faire infuser. Nickel, voilà. Voilà comment se présente le sachet. Bon, je vais pas l'ouvrir là, ce sera à déguster. Il faut que je m'achète cette fameuse bouilloire que toutes les influenceuses ont, n'est-ce pas, hein, à chaque fois que je vois un vlog et tout. Je vois cette bouilloire qui calcule exactement le degré, qui devient bleu. Vous voyez de laquelle je parle? Sauf que moi, je suis pas influenceuse. Moi, j'ai une vieille bouilloire ici. Est-ce que c'est du rooibos? Alors, matin rouge, fraise, arôme naturel d'ananas, pétale de rose, rooibos vert. Alors, rooibos, on le prononce rooibos. Ça vient d'Afrique du Sud, c'est dans la langue africaine. Rui, ça veut dire rouge. Boss, ça veut dire arbre. Arbre rouge, tout simplement. Vous dormirez moins bête ce soir. Non, franchement, là, je me saoule moi-même avec toutes ces parenthèses de... Laura, après ton vlog, tu t'étonnes qu'il dure 2 heures, quoi. Maté vert. Oh, j'ai jamais goûté le maté. Voilà, comme ça, la messe est dite. Baie de goji, hein, j'adore. Baie de... d'Arunia. Je connais pas. Mûre, cassis, feuilles de fleurs de rose. Alors, celui-là, il est en vrac aussi. 7 minutes, 95 degrés à boire le matin, volontiers, je vous dirais. Et c'est de la marque Tea Tap. Alors, ici, on a 4 sachets. Je suis en train de me contorsionner au lieu de faire ça, tout simplement, Laura. Alors, c'est de la marque Terra Ethica. Thé vert, gingembre, citron vert. Ça, c'est pour mon chéri, parce que le gingembre, j'ai horreur de ça. Oh, thé vert guarana, on en a 2. Nickel. Et thé vert à la menthe, un petit classique qu'on aime bien. Cueillette fine. On comptera après combien de sachets il y a dans cette box de dingue. Là aussi, on a 4 sachets dans ce compartiment. Caramel, camomille. Non, il faut que je teste ça. Herbal blend with green tea and natural flavoring. C'est la marque GT. Je ne sais pas. Ici, on a celui que je veux absolument tester. Pomegranate and hibiscus. Donc, grenade, hibiscus. Je ne vous ai pas dit, mais à l'arrière, on a également les instructions. Juicy cherry. Donc, ça doit être à la cerise. Jamais testé un thé à la cerise. Spicy pear. Poire épicée. À goûter. Ça peut être très intéressant, la poire. Et épicé, avec quoi? De la cannelle peut-être? Oh, la cannelle, j'adore ça. On aime ou on n'aime pas? Comment je vais boire ça sans le goût? Ce de goût qui n'est pas là. Là, on a encore du thé en vrac. Thé noir, j'adore le thé noir. Aromatisé, saveur fruits rouges. 4 fruits rouges, de la marque Daman. C'est beau le packaging. Ici on a cardadé nuit d'été. Alors fleurs d'hibiscus, morceaux de pomme, des pétales de rose, framboise. Hop. Et on a un troisième jardin bleu. Rhubarbe, un de mes fruits préférés. D'ailleurs les compotes pomme rhubarbe Andros, je vous les conseille. Il y en a toujours dans mon frigo. Et des pétales de fleurs. Excellent. Oh, quel... là, je voyage. Détox, maté vert, yuzu. Oh, le yuzu. Donc,
connaissez ma passion pour le yuzu. Citronnelle, écorce de citron, fenouil doux. Ouh. Maté vert, gingembre. Sniff alors. Citron, ananas, yuzu. Oh, quoique j'ai pas de goût, ça peut passer. J'adore le packaging comme ça. Et c'est de la marque Tamia et Julia, deux sœurs. Encore un thé en vrac, je vais y arriver. Lama y Poncho. Thé vert, Sancha de Chine. Ouh, ça c'est un très très bon thé d'ailleurs. Arôme naturel de fruits exotiques et de fruits du dragon Pitaya. Donc ça c'est de la marque La Thé Box. Je ne savais pas qu'ils avaient une gamme de thé. Je vais le rajouter dans mon script. Ça présente comme ça. Il me semble qu'il y a toujours des gourmandises dans la Thé Box. On a un chocolat, commerce équitable, lait du Pérou. C'est vrai que le cacao d'Amérique du Sud, on en parle. 42% cacaoté et fondant. Comment vous dire? Quand je vois tout ça et que j'ai pas de goût, ça me rend triste. Ça me rend triste tous les jours quand je passe à la table ou quand je cuisine. Vous imaginez, vous, cuisiner sans pouvoir goûter, savoir si c'est salé, poivré, épicé, si c'est bon, tout court. Ah, c'est aux fruits rouges, c'est comme le port salut, c'est dessiné dessus. Framboise, fraise, myrtille. Et donc on en a 4. On va compter combien il y a de produits inclus dans cette box. Et je pense que là, ça va être la fête du slip. 17 produits, donc 15 sachets de thé, que ce soit en vrac ou en sachet. Mais Marilyn, merci de me faire découvrir cette box. Quelle belle découverte! Mais quelle super box! Mais je suis super contente. Il y a beaucoup trop de super dans ma phrase. Et maintenant, je connais le contenu, la qualité, les marques, et puis le design aussi réutilisable. Vous savez ce que je pourrais ranger dedans? Bah déjà du make-up, mais aussi des bijoux. Autre que le thé, hein, je vous dis. On fait des compartiments pour les produits, retour sur les box. J'ai tout plein d'idées, si vous saviez. Marilyn, merci, 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 merci. J'ai hâte de tester. Même si j'ai pas de goût, on va voir. Peut-être que je pourrais distinguer un peu d'acide ou d'amertume. Il va rentrer tout à l'heure. Quand je vais lui montrer ça, je crois qu'il va être encore plus en joie que moi. Merci. Je suis tellement gâtée. Je suis super reconnaissante. Comment moi je peux rendre l'appareil en fait? Et j'essaie avec les Aloha Box. Merci, merci, merci. Puis le design et puis les cartes s'il vous plaît. Trop bien. On va se quitter là. Moi je vous fais de gros bisous. Je sais d'emblée que ce vlog va être méga long pour votre plus grand plaisir. Non, ça je sais pas mais... Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de se poser juste comme ça avec vous. Allez, moi je vais réfléchir sur retour sur les box là. Faut que je fasse le masque uriage et le masque pour les lèvres. Oh là là, comment être ridicule en vidéo? Non, mais ça c'est pour moi ça. non, je suis plus à ça près, vous me direz. Gros bisous, à plus dans le bus. Aloha, on est le 28 mars, je viens de terminer la vidéo mes favoris, franchement il y en a partout. Le tournage a duré 1000 ans parce que j'ai essayé de répondre à pas mal de questions sur les tutos, notamment sur les paupières tombantes, etc. Donc j'ai réalisé ça, mais de toute façon vous avez déjà vu la vidéo. Je suis assez contente de ce look un peu sunset, c'est comme ça que je l'appelle, un peu coucher de soleil avec ce gold et ce brick. Vous voyez, mais cette palette, je l'adore. Je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. J'ai remédié à tout ça. Donc ce week-end, donc là on est lundi, donc ce week-end je vous ai spammé complet de likes, de commentaires YouTube. J'avais un retard monstrueux, ça c'est à cause des... enfin à cause les vlogmas quoi. Vu que je publiais tous les jours, j'arrivais pas à travailler, à m'occuper de la maison, filmer, monter, plus commentaires. Mais j'ai tellement honte d'avoir liké des vidéos de l'année dernière. On est fin mars, quoi. Et en fait, j'angoissais de répondre. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, bon, ok, passe pour je sais pas quoi à liker des trucs de Mathusalem. Et repars sur des bonnes bases. Et là, je suis contente parce que j'arrive à m'organiser. Dès que je suis dispo, hop, je réponds à une dizaine de commentaires. Et je réponds réellement. C'est pas juste un like. Donc je vais m'y tenir. De toute façon, c'est ce que je préfère en fait, parce que tourner, monter vidéo, ouais,
c'est cool, mais l'échange, le lien qu'on a entre nous, c'est ça qui est le plus important, c'est grâce à vous, vous me donnez tellement d'idées, ah mais tiens, elle m'a parlé de ça, ben, je vais en parler en vidéo, etc., je vais tester, tout ça, tout ça. On repart sur de nouvelles bases, vous et moi, enfin surtout moi. Quoi d'autre ? Là, je vous ai publié une story juste avant, là, en vous disant que la vidéo mes favoris durait longtemps, etc., à cause du tuto, et vous avez tilté sur les bijoux que je porte. Donc, il y a le collier, il y a les boucles d'oreilles, et je vous spoil, hein, mais en fait, la marque Purelay m'a contacté il y a peut-être 3 semaines pour savoir si j'étais intéressée par un partenariat non rémunéré et présenter des bijoux. Donc j'ai beaucoup hésité, d'ailleurs ils m'ont relancé en me disant intéressée, pas intéressée, parce qu'en fait je suis allergique aux bijoux, donc ça serait complètement stupide de vous présenter des bijoux alors que je peux pas les porter. Donc ils le savent, on en a discuté, je dis vous prenez un gros risque parce que si je suis allergique, ça va être compliqué. Et donc je porte les bijoux et je n'ai pas d'allergie. J'ai aucune réaction, j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur. De toute façon, je vous l'aurais dit direct, en toute transparence. Donc, en fait, ils m'ont donné un budget de 200 euros. Je ne suis pas allée jusqu'à 200 euros quand même. J'ai un minimum d'éducation. Et j'ai sélectionné des bijoux qui me ressemblent. Une sélection peut-être d'été. Mais pour moi, c'est l'été 365 jours de l'année. Et je suis trop contente. Là, c'est la taille parfaite, par exemple, pour ce collier. Parce que ça cache ma cicatrice thyroïde. Les boucles d'oreilles sont magnifiques. Et du coup, c'est là. J'ai fait les incrustations, comme ça j'ai gagné du temps. Et j'aurai juste à filmer quand ils me donneront le feu vert. Pourquoi ils m'ont contacté? Pourquoi j'ai accepté le partenariat We Love Aloha? Et en fait, ils m'ont eu par les sentiments, hein, ces coquins, puisqu'ils m'ont dit que j'incarnais le Aloha. Alors je dirais que nous incarnons le Aloha et je trouve que du coup cette collab a été un peu faite pour moi et je suis très contente parce que je vous ai mis un collier de côté pour les 4000 veinés. Là je vous spoil grave, mais j'avais besoin aussi de vous expliquer que je porte les bijoux depuis 4 jours maintenant. Je suis allée me doucher et tout. Et comme ça quand je publierai la vidéo peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, bah, ça sera un peu plus probant quoi. C'est pas genre... je vous dis, je suis pas allergique. Non, je vous le dis, je suis pas allergique. Voilà, comme ça, c'est plus crédible, à mon sens. Et vous savez que honnêteté, transparence, tout ça, c'est moi. D'ailleurs, franchement, les marques ont bien du courage de me contacter pour des partenariats. Parce que j'ai pas ma langue dans la poche et que je dis toujours ce que je pense. Ceux qui me contactent et ceux qui veulent collaborer avec moi, et ben bravo à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur, quoi. Et pour être honnête, j'ai été contactée par 2 autres marques de bijoux, quasiment en même temps. Non, alors, eux, les 2 autres, ils voulaient vraiment, 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 vraiment collaborer avec moi. Il y en a même une où c'était une collaboration rémunérée, donc j'ai été payée, et encore une autre. Donc ça me faisait 3 marques de bijoux en l'espace d'une semaine, enfin de mail, quoi. Et donc j'ai plutôt opté pour un partenariat non rémunéré. Ça me correspondait plus, quoi. J'ai pas tout accepté. Je n'accepte absolument pas tout, croyez-moi. Mais je suis droite dans mes bottes, quoi. Si j'avais aucun scrupule, j'aurais pris les 3 partenariats. Sauf que moi, je suis un peu fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai décidé de collaborer avec une marque. Je reste avec cette marque. Je mets pas en concurrence d'autres... marque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon état d'esprit, même s'il n'y a pas de contrat, de non-concurrence, etc. J'allais dire, je me l'inflige. Oui, je me l'inflige moi-même, en fait. C'est une sorte de respect. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Avant que j'oublie, je ne suis plus ambassadrice Blissim. Comme je vous avais dit, ils aiment changer d'ambassadrice. Donc en général, on est ambassadrice 3 mois, après ils changent. Je trouve ça très très bien, comme ça tout le monde peut être ambassadrice. D'ailleurs, je vous mets toujours le lien pour devenir ambassadrice sous mes vidéos Blissim. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc il n'y aura pas de box Blissim à gagner à partir de maintenant, mais il y aura toujours la Aloha Box, hein, vous me direz. Et voilà, c'était très sympa de leur part de me faire confiance pendant 3 mois.
et de m'envoyer gratuitement une box. C'était une très belle aventure, donc je les remercie du fond du cœur. Moi, je vais vous laisser, je vais devoir faire l'immense barre d'infos avant de ranger les produits de la vidéo mes favoris, et puis monter la vidéo. Ça va me prendre plusieurs heures. Sniff alors. Sur ce, là, pour le coup, je vous laisse, et je vous fais tout plein de gros bisous, et on se dit à plus dans le bus. Aloha, on est le 30 mars, je vous prends, je suis debout, pourquoi pas vous me direz. En fait je viens de tourner les incrustations pour la vidéo Pure LA qui sortira dimanche à 9h. Il s'agit d'une édition Hawaï, il y a les Shopping Week et du coup du 3 au 11 avril il y a moins 50% sur le site, plus mais moins 20% avec mon code, un truc de dingue. Du coup j'ai fait la top modèle. Non franchement j'ai galéré, j'aime pas poser, je sais pas poser. Moi je sais déconner. Donc je vous montre ce que j'ai fait, enfin vous le verrez dimanche, mais là c'est backstage. Donc j'ai mis ces boucles d'oreilles avec ce bracelet qui va avec ce collier. Je trouve que c'est très élégant. J'ai mis une longue robe noire, vous le voyez pas, c'est pas grave. Et l'autre incrustation c'était avec une robe style hawaïen que j'ai achetée chez ProMode il y a peut-être 2 ans. Mais celle-là, je la mets tout l'été. Du coup, j'avais mis ces boucles d'oreilles-là. Magnifique. Je suis en train de vous spoiler grave. Faut quand même aller voir la vidéo dimanche. Hein. Je me suis douchée avec les bijoux RAS et j'ai pas d'allergie. Alléluia. C'est très rare, ça veut dire que c'est de la bonne qualité. Et je sais que je suis pas toute seule à être allergique, donc c'est un bon plan, on va dire. Je vais devoir clôturer le vlog aujourd'hui. Sniff. En fait, demain, j'ai des rendez-vous médicaux parce que ben, ma santé, c'est toujours pas ça. J'ai pas de très très bons résultats sanguins, notamment avec la thyroïde rebelote. Donc je me voyais mal courir à l'autre bout de Paris au magasin Blissim. Je suis désolée, ça fait 2 mois, je vous dis, on y va. Promis, en avril, on y va. D'ailleurs, en avril, je pars à Pau, enfin à côté de Pau, pour Pâques. 3-4 jours, ça va me faire du bien. On n'en est pas là. Je n'ai pas reçu ma Blissim alors que vous êtes nombreuses à l'avoir reçue. J'espère qu'il n'y a pas de bug. La patience, patience, patience. Je la recevrai quand je la recevrai. Une agence d'influenceurs m'a contactée par mail il y a la semaine dernière. You ou Woo, je sais même pas. Mince. Je suis une influenceuse en mousse, hein, je vous le dis direct. Ils m'ont contacté pour savoir si ça m'intéresserait de participer à la campagne Lancôme concernant 2 rouges à lèvres. Donc il y en a un que je porte là. Il faut que je travaille sur la story et publication. Peut-être faire un reel, je ne sais pas. Donc j'ai testé les 2. Bah, d'ailleurs dans les incrustations Pure LA, je me suis dit vas-y, gagne du temps, tu vois. Et il y en a un mat et un crémeux, je crois. Alors celui que je porte, il est comme ça. Cette référence, Fureur de vivre, 364, trop confortable. Alors moi je dirais pas qu'il est mat. Hein. Voilà le packaging. Et en fait, bon, c'est du Lancôme. Faut appuyer ici, là. Hop, hop. Donc voilà la teinte, elle est magnifique. C'est un rose, moi, je dirais bois de rose. Moi qui suis pas très rose, c'est un rose qui me va, je trouve. Idéal pour l'été, j'aime beaucoup. Peut-être qu'il tire vers le corail. Comme je vous ai dit, je suis une influenceuse en mousse. Et alors l'autre, il est crémeux. Alors très très crémeux et marronné. Un peu orange. Un peu orange. Et la teinte, c'est Fresh Tea. Alors, je vous montre les produits alors que j'ai pas de contenu YouTube à faire. Mais bon, c'est du partage, vous me direz. Pareil, j'adore. Et ça, c'est en plastique. Alors ça, ça faisait pas très long comme, je trouve. Voilà le nude marronné, un peu soutenu. Ultra confortable. Je vais continuer à le tester pour me faire une réelle idée et avoir la tenue. Honnêteté, transparence, même si c'est un partenariat. Et les teintes, franchement, ça va. Parce que j'ai pas pu choisir les teintes. Ça aurait été du fuchsia, j'aurais été dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Donc je suis super contente, je suis on fire niveau partenariat, je sais pas. Tout est arrivé d'un coup. Avant de se quitter, je vous laisse avec l'incrustation du tirage au sort que je vais faire demain. Savoir qui a remporté la Aloha Box du mois de mars. Donc, comme d'habitude, on se retrouve sur Plouf Plouf. Vous étiez 211 participantes, sachant que j'ai dû en supprimer beaucoup. Voilà vos petits pseudos YouTube.
Et on va tirer au sort la Aloha Box du mois de mars. Félicitations à Chloé Leroy. Je suis super contente que tu aies gagné la Aloha Box. Félicitations à toi. Félicitations à la gagnante, que je ne connais pas encore. Spielberg sort de ce corps. Juste une chose, ça m'a fait beaucoup de peine de lire des mauvaises réponses dans ce formulaire, dans ce concours. Pourtant, je vous avais vraiment donné toutes les infos. Soit vous n'avez pas regardé la vidéo, pas de façon attentive, soit vous avez mal lu la question. Vous avez pensé quelle est votre nationalité au lieu de la mienne. Du coup, j'ai supprimé énormément de vainées. Ça m'a fendu le cœur. Donc, pour le prochain concours, et ça sera forcément les 4000 vainées, parce que au moment où je tourne, je crois qu'on est à 3989. C'est énorme, j'arrive pas à m'en rendre compte. Du coup, avril rime avec 4000. J'ai beaucoup bossé là-dessus. Là, la question, je sais pas si elle sera difficile, mais ouais, faut me connaître, faut me suivre, quoi. Et oui, et du coup, la bonne réponse était Nouvelle-Zélande, New Zealand ou Aotearoa en Maori. Je vous remercie d'être là, vraiment, de me soutenir. Ça fait du bien, j'ai beaucoup besoin de soutien en ce moment. J'essaie de garder le moral et me dire, ok, t'es pas en bonne santé, ton corps, il va pas bien, il te le fait savoir. Et le mental joue beaucoup, donc j'essaie de me dire, au lieu de m'apitoyer sur mon sort et me dire je suis encore malade et ceci et cela, comme j'ai tendance à faire quand même de temps en temps depuis mon ablation de la thyroïde, là j'essaie de prendre le dessus et d'avoir le contrôle sur quelque chose où je n'ai pas le contrôle finalement, mais de tourner des vidéos, de répondre aux commentaires, de vous lire, de créer du contenu, voilà, des stories avec des partenariats, ça me fait du bien parce que comme ça je n'y pense pas et je me dis bah je suis peut-être malade mais en fait je suis pas malade ou du moins je suis malade mais je peux faire des choses. Je sais pas comment exprimer le bien que vous me faites, c'est je crois que vous imaginez pas. Je peux pas vivre sans vous, je peux pas me passer de vous, j'ai besoin de vous. Vous faites partie de ma vie, de mon quotidien. Un exemple, je suis allée sur Vinted, j'ai vendu 2-3 trucs, et avec l'argent que j'ai gagné de ces ventes-là, ben j'en ai profité pour acheter des choses, mais pour vous, pour des concours, des choses, je me suis dit, waouh, ça m'a plu, ben du coup, ça va leur plaire. D'ailleurs, je remercie Alexia au passage. Vous comptez tellement, et j'ai de la chance d'avoir une communauté aussi bienveillante et gentille. Et merci de me supporter dans mes super longues vidéos. Je vais travailler un petit peu à raccourcir les unboxings, etc. Parce que je me dis quand même 20 minutes pour un unboxing, c'est un peu beaucoup. Et vous n'avez peut-être pas 20 minutes à m'accorder non plus dans votre quotidien. Je réfléchis à tout ça. Donc je vais clôturer ce vlog avec beaucoup d'émotions. Je vous aime tellement. C'est que de l'amour. Hein. Je pense que vous imaginez pas comment vous comptez pour moi. Et tout votre amour, il rayonne en moi. Il m'aide à avancer. Et dans des moments difficiles comme je suis en train de vivre, tous vos messages, vos commentaires, votre humour, vous savez pas comment je peux marrer dans mon lit quand je vous lis et quand je vous réponds. Et ça me fait un bien fou. Je suis en train de ruiner mon maquillage. Oh, je m'en fous. J'ai de la chance de vous avoir. J'ai envie de vous garder auprès de moi et très longtemps et vous m'êtes vachement fidèle et vous m'accompagnez. Je vous aime très fort en fait. Vous êtes tout pour moi. Vous êtes parfaite. Et on se ressemble tellement, vous et moi. On a tellement de points communs. Si j'avais pas créé une chaîne YouTube, jamais j'aurais pu rencontrer des aussi belles personnes que vous. Je suis très reconnaissante. Alors, je vais enfin clôturer ce vlog avec beaucoup d'émotions, mais j'avais vraiment besoin de vous dire à quel point je vous aime du plus profond de mon cœur. J'essaie de réfléchir, parce que bon, shaker la noix de coco, s'abonner dans un format vlog, c'est pas nécessaire, on va dire. Mais du coup, on va quand même se le faire ensemble. Hein. C'est gratuit. Moi, je vous dis dans quelques jours. Du coup, en vlog et en vidéo, je ne sais pas encore laquelle. Et voilà, merci pour tout et je vous aime très très fort.